toujours dans le même thème, nous, la communion fraternelle. La communion fraternelle. Et je dis à nous le temps de citer pour vous-même les bienfaits de la communion entre les frères. Les bienfaits de la communion fraternelle. Et il y a un passage dans la Bible là qui bah nous yon idée de qui qualité avantage et bienfait que la communion fraternelle portait dans la vie de l'Église, dans la vie des bien-aimés, c'est le psaume 133 où il est écrit: voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. C'est un passage qui est vraiment important et que chaque chrétien a de petit temps pour garder et poser tête ensemble question. Est-ce qu'il y a vive toute bon vraie réalité qui décrit dans psaume 133? D'ailleurs, verset 1er li traduit dans pile version pour dire: oh, quel plaisir c'est pour des frères! Oh, quel bonheur que d'être ensemble! Quel bonheur, quelle douceur! Ah, qu'il est beau, qu'il est agréable pour des frères d'être ensemble! Maronne, est-ce que ou vive réalité ça déjà dans l'assemblée chrétienne? Ou vive ce bonheur, cette douceur, ce plaisir dans l'assemblée des frères? Côté que l'église réunit et pour dire: waouh, ma vive en réalité que la Bible décrit au psaume 133. Il est agréable, il est doux, il est bon, il est spécial. C'est un plaisir pour des frères de demeurer ensemble. Psaume 133. Il fait partie d'un groupe de psaumes que relaient psaumes ou bien cantiques des montées. C'est côté peuple Israël là a sorti un peu partout pour aller dans la présence de Dieu à Jérusalem. Et là, les retrouver ensemble pour qui ça? Pour faire fête pour Seigneur. D'où c'est le moment de fête que chaque bien-aimé a rencontré pour être fêté pour le Seigneur. Il y a une onction spéciale qui traverse et on senti les bons pour être capable ensemble. C'est des pèlerins qui réunissent ensemble dans la capitale à Jérusalem et a fêté la gloire de Dieu, les bienfaits de Dieu, les bénédictions de Dieu. D'où ça en dedans, il y a obligé exprimer lui, paraître vers l'extérieur pour comprendre. Oh, qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères de fêter la gloire de Dieu. Et dès que la réalité a déjà, dès qu'on communion avec Dieu, ou en communion avec les frères, dès qu'on connecté avec Dieu, ou en connecté avec ceux qui sont connectés avec Dieu. C'est ça, psaume 133, David a décrit là. Il a montré que il a fêté la gloire de Dieu. Onction, mon Dieu, dans la vie, nous. Et il a senti le bon également pour les frères. Nous ensemble avec eux-mêmes. Son bagage tout à fait est spécial. La fraternité, bon paquet bien fait là-dedans. Lorsque les enfants de Dieu sont réunis ensemble, son moment très spécial que lié pour le peuple de Dieu. Ou après ensemble de thèmes, les employés, il est agréable, il est bon, il est doux, il est plaisant. Oh, pour frère, il est capable de réunir ensemble. C'est une douceur, un bonheur extraordinaire. Et nous t'aimons, chaque bien-aimé, mon chrétien, capable de vivre bonheur, sa douceur, sa. Le Seigneur, il n'a que chaque monde. Et l'en réunit ensemble pour dire: oh, qu'il est bon, qu'il est agréable. Oh, quelle magnifique présence. La présence de Dieu parmi nous. Il fait nous apprendre à apprécier présence bien-aimé, présence l'autre monde. De transformation, ça lui produit la caille nous. Lorsque nous, dans la présence de Dieu, nous fêtons la gloire de Dieu. Et le Seigneur rend possible pour nous dire: ah, qu'il est agréable pour des frères d'être ensemble. Dans le texte là, psaume 133, psalmiste là illustre la bénédiction que nous relie, la bénédiction de l'unité.
C'est vrai, wap koumè pour des bénédictions individuelles. Mais n'abdou également, il y a une grande bénédiction dans l'unité. Dans le texte là, il parlait de la bénédiction de l'unité. La bénédiction lorsque les frères sont réunis ensemble. La bénédiction lorsque l'assemblée de Dieu est réunie. Première façon, il traduit cette bénédiction. Il dit comme ça, c'est comme l'huile. L'huile précieuse, l'huile parfumée, ou bien l'huile de consécration. Et dans ce sens, il écrit là, dans verset 2, c'est comme l'huile de consécration qui qu'on a descendu sur la tête du grand prêtre que Aaron représentait. C'est comme l'huile précieuse qui descend sur la barbe d'Aaron, sur le bois ou bien sur le col de ses vêtements. Et sont capables de garder dans Exode chapitre 29, verset 7, ou bien Exode chapitre 30, verset 22 à 33, il parlait de qualité de l'huile, ça, une huile parfumée qui est symbole de consécration et de bénédiction dans le service de Dieu. L'huile, ça, c'est lui-même qui est vidé également sous tête royale, les bayo onction. Donc l'huile, ça, son l'huile de onction, son portion est spéciale lors de la présence de Dieu. Ou jeune l'onction de Dieu, ou jeune la meilleure huile qui existait, une bonne huile, l'huile que bon Dieu mettait onction là-dedans, ça n'est l'huile de bénédiction, yon l'huile de joie, yon l'huile d'allégresse, yon l'huile de fête, yon l'huile de cœur content. Et on dit également, l'huile ça qu'on vide sous tête, royaux pour avoir onction, c'est comme si pour accueillir. Donc, il dit comme ça, son l'huile que l'a accueilli nos kibos de la présence de Dieu et de la présence des frères. De quelle façon l'Éternel accueille nous dans sa présence. Il accueille nous avec onction, avec l'huile de bénédiction, avec allégresse. Il accueille nous également dans la présence des frères avec cette même onction, cette bénédiction, avec la joie à leur inviter la caillon juif. Le plus souvent, il vit de l'huile sous tête. Et l'huile, ça, son l'huile spéciale. Et l'huile, ça, son l'huile de réconfort, ou l'huile de guérison. Dans la présence de Dieu, lorsque les frères sont réunis ensemble, nous joignent le réconfort, nous joignent la guérison, nous joignent l'onction, nous joignent la bénédiction, nous joignent la présence de Dieu et nous joignent l'onction de bénédiction que nous relais la bénédiction de l'unité. Nous jouons la consécration bien spéciale. Moi, je crois que en pile dans nous, t'aimerais bénéficier de ce bienfait. Pour nous joindre l'huile d'onction, l'huile de consécration, ça, l'huile de réconfort, ça, l'huile de guérison, ça. Et c'est pas nous à approcher dans la présence de Dieu avec les frères. L'Éternel l'a béni nous parce que bon bénédiction la Bible est la bénédiction de l'unité lorsque les frères sont réunis ensemble l'Éternel li baille. Même souligner pour vous même également l'huile de onction ça la parler là c'est pas les hommes qui baille. La bénédiction dont il est question c'est pas bénédiction que pasteur a baille. Diak la baye, mais c'est une bénédiction qui vient de l'Éternel, d'où la caille, mon Dieu, une bénédiction, et ça, mon Dieu, baye, en quel monde pas qu'à faire obstacle ensemble avec lui-même. Satan pas qu'à bloquer bénédiction, mon Dieu, voyez dans la vie, d'où bénédiction, ça va joindre lorsque vous réunis ensemble avec les frères, dans la présence de Dieu, vous célébrer la grandeur de Dieu, et l'Éternel avec les frères, la bénir avec l'huile de bénédiction. Bénédiction, ça. C'est la bénédiction du Seigneur. Une bénédiction en abondance. C'est une bénédiction, la Bible dit, qui descend sur le bord des vêtements d'Araon. Ça dit, il y a une bénédiction qui vient en abondance. Il y a une bénédiction qui couvre, qui répand sur tout ou même de la tête aux pieds. Ou totalement béni de la présence de Dieu avec les frères. Lorsque vous réunis pour fêter la grandeur de Dieu, les frères sont là et l'Éternel les bénit de la tête aux pieds. Bénédiction les coule, les descend en profondeur sur tout ou même. Bon bénédiction spéciale la caille, mon Dieu. Il pas béni, mais on seulement, mais il bénit de la tête aux pieds. Qu'il est lorsque. Dans l'unité avec les frères, dans la joie, dans la réconciliation, n'a fêté, n'a fait culte pour le Seigneur. Mais bien aimé, sur la ligne consolation, gagne bénédiction, gagne la joie, gagne la guérison, gagne l'onction lorsque de même cœur, d'une même pensée, nous réunis ensemble, la fraternité pour la présence de mon Dieu et mon Dieu la bénit.
Pas oublier, les frères sont réunis dans la présence de Dieu. Et côté présence, bon Dieu, il y a toute qualité, bénédiction. Mais nous reconnaissons également, malheureusement, très souvent, nous, trois individuels. Ici, il peut parler d'une bénédiction pour l'individualiste, mais il a parlé d'une bénédiction pour la fraternité, une bénédiction dans l'unité. En pile fois, nous isolés. Et même malheureusement, même les nous l'église, nous toujours isolés. En pile fois, nous éloignés l'une de l'autre. Mais même les nous dans l'assemblée, dans la présence de Dieu avec les frères, nous restons toujours éloignés l'une de l'autre. Mais ici, l'Éternel veut donner une bénédiction à tout si là vous voulez rentrer dans la communion fraternelle. L'Éternel voulait bailler une onction très spéciale à si là qui d'accord vivent comme des frères en Christ, à si là qui d'accord mettez les indifférents de côté pour mettre tête ensemble pour la gloire de Dieu. Et les ça y a une source de bénédiction, une source de bonheur, une source tout à fait spéciale, une huile comme le Saint-Esprit qui répand sur tout eux-mêmes de la tête aux pieds parce que c'est là que Dieu donne la bénédiction. Son bagage est tout à fait spécial. Et là, pas de l'huile d'onction là, son l'huile, même les côtés gagnés, toute mauvaise humeur qui a pesé, mauvaise humeur, de la présence de Dieu, de la présence des frères. Même lorsque, malheureusement, ou son monde qui vit des situations de tension, ou aigri, ou malade, mais l'Éternel spécialement, l'huile d'onction ça, son l'huile de douceur. Pour le fait que malgré ou son monde qui tapageuse, malgré ou son monde qui conflictuel, mais l'Éternel y a pesé humeur, y a pesé tension, parce qu'on réunit dans la présence li avec les frères. Li répand grâce li sur eux-mêmes, li répand la guérison, la joie, l'allégresse, même dans tout le monde qui était frustré ou pas vraiment joie, mais dans la réunion avec les frères, l'Éternel li répand sur eux-mêmes, yon onction de joie, yon onction d'allégresse. Et dans le texte, ça dit comme ça, c'est comme la rosée de l'Hermon, c'est comme une rosée rafraîchissante. La rosée de l'Hermon, pour qui ça li bay illustration ça, c'est parce que l'Hermon ou bien Hermon, c'est une montagne qui était plus haute en Israël. Mais elle est vraiment éloignée de Jérusalem. Mais quand elle dit, c'est comme la rosée. C'est comme si elle montrait que bon air qui fraîche, cap descend. Elle sortit juste vers le nord pour arriver jusqu'à Jérusalem. C'est-à-dire, elle passe près de tous les pèlerins, tout bien-aimés. Elle descend sur eux-mêmes, la descend dans les hauteurs, la descend pour arriver à Jérusalem. Donc, son bagage vraiment spécial. C'est ça, il y a un miracle de la part de Dieu. La bénédiction lui sortit dans les lieux les plus élevés, dans la présence de Dieu. Et la descend dans la vallée qui est plus profonde, côté que les frères et les sœurs sont réunis pour la gloire de Dieu. La fraîcheur divine, un renouvellement spécial, un rafraîchissement spécial. Ou besoin ça, bien-aimé, moi. Ou abjoigné lorsque de même cœur, ou réuni avec les frères dans la présence de Dieu, pour célébrer les cultes pour l'Éternel, mais ou pas gagne un yen dans le cœur pour un frère là, comme bagaille désagréable. Ou pardonnez-le, mettez-le ensemble, oubliez tout conflit, mais qu'on y a dans la présence de Dieu, ou abjoui d'un rafraîchissement spirituel et spécial. L'Éternel a renouvelé ou même. L'Éternel va aux fraîcheurs divines, on bagaille qu'on pas besoin de l'autre côté, seulement dans la présence de Dieu et dans la présence des frères. Lorsque nous réunis pour adorer bon Dieu, son miracle, son rafraîchissement, son bénédiction. Mais bien aimé, dans la communion les uns avec les autres, l'Éternel a décidé pour le faire de grandes choses. En nous, avec nous et pour nous, il décide pour le bas nous, un rafraîchissement, un renouvellement, une présence bienfaisante. Et ça, de vous croire, vous allez vivre comme ça. Dans le passage là, il y a une conclusion. Il dit, dans cette situation, dans cette réalité, côté que les frères sont réunis pour la gloire de Dieu, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. C'est là, c'est dans cette situation que les frères sont réunis ensemble. C'est dans cette ambiance de la communion fraternelle que fait l'Éternel. L'Éternel envoie la bénédiction. Qui envoie la bénédiction? L'Éternel lui-même, il envoie la bénédiction.
C'est pour une bénédiction moun fabrique, non? C'est l'Éternel qui envoie la bénédiction. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et c'est là que l'Éternel bénit, en quel monde pas capable de maudire. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction dans l'assemblée des frères, dans la communion fraternelle. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. C'est là que l'Éternel fait don de la bénédiction. Il donne non seulement la bénédiction, mais il donne la vie. Est-ce que c'est pour quelques jours? Non. Il donne la vie pour l'éternité. Il donne la bénédiction. Et vous avez joué bénédiction ça. Autant que vous vivant jusque dans l'éternité. Libre la vie ça. Vous avez la vie autant que vous vivant. Même dans ta mourir jusque dans l'éternité. L'Éternel donne la bénédiction et la vie pour l'éternité. Qui bon? Dans l'unité de l'Église. Dans l'unité des frères et sœurs, dans l'unité des enfants de Dieu, l'Éternel envoie la bénédiction. Qu'on y a nous comprendre l'importance capitale de l'unité du peuple de Dieu. Lorsque les enfants de Dieu y ont réuni pour célébrer la grandeur de Dieu dans la communion fraternelle, Dieu envoie la bénédiction. Bon Dieu prend initiative lorsque nous prenons initiative. Lorsque nous prenons l'initiative de vivre ensemble, Dieu prend l'initiative de nous bénir, de nous envoyer la bénédiction. Ah, sous besoin béni, mettez-vous ensemble avec les frères. Sous besoin béni, oubliez tout petit conflit que vous avez avec l'autre monde, faites l'unité ensemble avec vous-même. Nous songeons rapidement dans Matthieu chapitre 5. Il dit, lorsque nous prenons la route pour aller offrir nos offrandes, ou songez que pour la grande bagarre, laisse-la ton offrande. Va d'abord te réconcilier. Et quand il y a Alba et offrande, l'Éternel n'a pas accueilli. Lorsque vous êtes debout faisant votre prière, dans Marc chapitre 11, verset 35, verset 25, eh bien, réconciliez d'abord avec frère là. Et l'Éternel l'a disponible pour tendre la prière qu'on va adresser, pour recevoir la bénédiction et en retour pour le capable édifier, pour le capable joindre la bénédiction. Ah! C'est important, mes bien-aimés. Le Seigneur, il veut répandre bénédiction sur la vie, nous. Nous souhaitons que vous compreniez et vous goûtez les bienfaits de la communion fraternelle, les bienfaits de vivre ensemble pour la gloire de Dieu. Et son réalité, nous souhaitons que sur la ligne consolation, d'expérimenter, d'jouir. Nous besoin conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et l'Éternel lui promet nous, la bénit nous abondamment. La bat nous de grandes bénédictions. Et un conseil que nous t'aimons, mais bah, autant prie. Pas bloquer cette bénédiction de l'unité. T'en prie. Ou même tout. Ou capable de bénéficier cette bénédiction de l'unité. Rentrer dans l'unité avec les frères. Rentrer dans la communion fraternelle. Oubliez tout petit intérêt personnel, yo. Et si c'est certain, on va vivre dans l'harmonie, dans l'amour avec les frères et le Seigneur la bénit abondamment. Qu'il en soit ainsi pour vous. Dieu vous bénisse, qu'il me fasse mes bien-aimés et dispose pour capable recevoir les grandes bénédictions de l'unité, les grandes bénédictions de la communion fraternelle. C'était là à travers le psaume 133. Les bienfaits de la communion fraternelle. Dieu vous bénisse, bonne journée, KBFM dans le Seigneur.